De parents commerçants, Brice Fournier grandit à Saint-Priest, dans l'Aide-Lyon. Après l'obtention de son baccalauréat, il entre en classe préparatoire HEC et intègre un an plus tard l'école supérieure de commerce de Lyon. La suite de ses études se passe à l'étranger, plus particulièrement en Espagne, Angleterre et États-Unis. Il obtient un BA en gestion et marketing à l'université de Canterbury, un MBA à la Fordham Business School de New York, puis un diplôme du GIA, Gemological Institute of America, de New York, en 1998. Il ouvre un restaurant thaï au cœur de Paris, le Livingston. Il ouvre un second restaurant en avril 2008 dans le 5e arrondissement de Paris, qu'il revend en 2011. La même année, il transforme son restaurant thaï du 1er arrondissement en steakhouse new-yorkais, puis le cède en mars 2013. En novembre 2013, il reprend la direction des puces du canal, de Lyon jusqu'en novembre 2014. Sa carrière d'acteur débute à Lyon. Le metteur en scène Jean-Christophe Imbert lui propose un rôle au théâtre. C'est grâce à cette pièce qu'il rencontre Alexandre Astier, qui deviendra un ami. C'est donc tout naturellement qu'il lui offre le rôle de Cadoc dans la série Kaamelott dès 2004. Il obtient son premier rôle important au cinéma dans le film À l'origine de Xavier Giannoli. 11 nominations au César du cinéma 2010. Présenté en compétition officielle lors du Festival de Cannes 2009. L'année suivante, il monte à nouveau les marches du Festival de Cannes 2010 avec le film La Meute, présenté hors compétition en avant-première mondiale. En 2014, il obtient le prix du meilleur second rôle au Macabre Fair Film Festival de New York pour son rôle dans Extrême Pinocchio. Outre ses participations à divers courts-métrages et téléfilms, il retrouve Alexandre Astier pour le film Les Aventures de Philibert, Capitaine Puceau, puis joue dans L'Exercice de l'État, 3 Césars, et Les Saveurs du Palais aux côtés de Catherine Fro.